Le prophète Jérémie m'invitait à écouter non pas les faux prophètes qui ne parlent qu'en leur nom, mais ceux qui parlent au nom de Dieu. Et l'Évangile fait de même et nous invite à écouter et à être attentifs à celui ou celle qui se trouve le plus proche de nous, au seuil de notre porte. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de linge fin et qui faisait chaque jour de brillants festins. Un pauvre du nom de Lazare, Dieu aide, gisait couvert de misère au porche de sa demeure. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais c'était plutôt les chiens qui venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut et fut emporté par les anges aux côtés d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Au séjour des morts, comme il était à la torture, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Alors il s'écria, « Abraham, mon père, aie pitié de moi !» et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour le rafraîchir de la langue, car je souffre le supplice dans ses flammes. Abraham lui dit, « Mon enfant, souviens-toi, tu as reçu ton bonheur durant ta vie, comme Lazare le malheur. Maintenant, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. De plus, entre vous et nous, il a été disposé un grand abîme, pour que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le puissent pas, et que de là non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche dit, je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qui les avertissent pour qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de torture. Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. L'autre reprit, non, Abraham, mon père, mais si quelqu'un vient à eux de chez les morts, ils se convertiront. Abraham lui dit, s'il n'écoute pas Moïse, ni les prophètes, même si quelqu'un ressuscite des morts, ils ne seront pas convaincus. Thank you.
Et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé son Fils pour être le Sauveur du monde. Si une personne reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en elle et elle demeure en Dieu. Et nous, nous savons et nous croyons que Dieu nous aime. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Ce que vise l'amour parfait pour nous, c'est que nous soyons pleins, pleins d'assurance au jour du jugement. Nous le serons parce que notre vie dans ce monde est semblable à celle de Jésus-Christ. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait exclut la crainte. On craint quand on attend une punition et donc celui qui craint n'aime pas de façon parfaite. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il a de la haine envers son frère ou sa sœur, c'est un menteur. En effet, s'il n'aime pas son frère ou sa sœur qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qui ne le voit pas. Voici donc le commandement qu'il nous a donné. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère ou sa sœur. Chers sœurs et frères en Christ, je suppose que vous avez deviné quel est le thème principal de ce texte. En fait, il suffit de compter. Dans ces quelques versets, nous retrouvons 14 fois quand même le mot amour ou le verbe aimer. Tu l'as dit à l'intérieur de ce thème, je le répète tout de même différents. Mais tout d'abord, même si on compte et la Trinité sont derrière nous, voilà qu'il est encore une fois question de l'Esprit de Dieu et de son action. Nous apprenons qu'il nous montre quelle est notre relation avec Dieu. Nous demeurons en lui et lui demeure en nous. Par ailleurs, je vais expliquer lors du culte entre autres que nous ne voyons pas le Saint-Esprit lui-même, mais nous voyons les effets qu'il produit. Je suis particulièrement sensible à cela en ce moment, ces effets du Saint-Esprit. Et commencez peut-être à savoir que j'aime les anecdotes. Alors je vais vous en partager deux qui sont liées directement au culte de Saint-Guillaume. Il y en a que nous avons hésité à nous retrouver comme il y avait des bus de la culture et que l'accès à l'église était difficile. Et pourtant, je trouve que cela valait la peine de m'inviter notre office. Je ne donnerai pas de nom parce qu'il pourrait peut-être avoir des problèmes avec sa hiérarchie. Il se trouve qu'un prêtre doit être passé par là justement en raison des puces. Il a vu l'église, il s'est arrêté, il est entré. Pour la petite histoire, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais bon, j'ai même, avec mon humour un peu particulier, demandé si j'osais rentrer dans l'antre de l'Antéchrist. Puisque c'est comme ça qu'on m'a qualifié dans un mail, l'Antéchrist. C'est un peu des événements. Visiblement, il a osé aussi rentrer et en partager tout le culte avec nous, j'affirme. Autre participant au culte, un touriste danois d'origine protestante qui parlait allemand. Je me suis permis de rajouter quelques mots en allemand. Et à la fin du culte, il m'a dit qu'il a appris quelque chose, alors qu'il était question de la vocation du prophète Ésaïe, toujours déjà prophète. Il m'a dit qu'il savait déjà qu'il avait besoin de Dieu, mais il ne savait pas que Dieu avait aussi besoin de lui. Je ne sais pas ce qu'il va faire, mais peut-être va-t-il s'engager dans sa paroisse à son retour au Danemark. Qui sait? Face à de tels événements, certains diront c'est le hasard. D'autres diront c'est l'effet de l'Esprit de Dieu. Ce même Esprit comme Dieu qui nous apprend dans le texte du jour, ou qui ce qu'est l'amour de Dieu. Et ce qui me frappe particulièrement, j'en suis peut-être un petit peu dans ce texte, c'est
glorifie l'âme de l'amour, mais qu'il est, par essence, j'allais dire, amour. Première chose que je relève au sujet de l'amour, c'est au verset 18. Il est écrit, il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait exclut la crainte. On craint quand on attend une punition, et donc celui qui craint n'est pas de façon parfaite. Alors, évidemment, je pense qu'il est sur une question de craindre Dieu, d'avoir peur de lui. Mais de façon plus générale, je crois que dans la vie, il n'y a pas pire que la peur. Il existe des craintes dans toutes sortes de domaines, peur de la maladie, du chômage, de la solitude, peur de se tromper, peur de la mort, du mourir, de s'affaiblir, et j'en passe. Nos appréhensions sont parfois tellement grandes qu'elles nous paralysent et qu'elles nous empêchent d'avancer. Et de nous poser la question, quand nous sommes-nous laissés bloquer la dernière fois par nos peurs? Je pense à cette femme qui a vu de ce monde aujourd'hui, je l'ai croisée dans ma première paroisse. Lorsqu'elle a atteint un certain âge, elle a regretté sa vie passée. Elle avait raté une opportunité intéressante. Dans sa jeunesse, elle avait eu un échange avec un Australien du passage dans sa ville, à l'époque, ça s'appelle il y a un certain temps, ça n'avait pas été tellement fréquent. Et celui-ci lui avait proposé de l'aider à s'installer au bout du monde, avec en plus de grands espaces, une possibilité nouvelle dans un autre environnement. Mais finalement, partir vers l'inconnu lui avait fait trop peur. Alors, elle est restée là. Si elle avait su à l'avance comment sa vie ici allait tourner, elle n'aurait pas hésité à faire. Avec le recul, elle avait l'impression que la peur lui avait fait manquer une vie qui aurait été plus épanouie. La crainte. Source d'occasion manquée. Je pense aussi à la maladie qui elle occupe parfois tellement notre esprit que plus rien d'autre ne compte. D'une certaine manière, elle nous empêche de vivre pleinement le temps qui reste devant nous. Plus moyen d'être heureux tellement les angoisses sont présentes. Ce n'est sans doute pas pour rien, et j'ai l'habitude de le rappeler, que 366 fois nous lisons dans la Bible cette expression « ne crains pas » ou « ne craignez pas ». Toujours à nous, nous avons besoin que Dieu nous rassure et nous sorte de nos paralysies.